toutes, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur LTU Radio, j'ai le plaisir de vous accueillir. Merci pour le petit message d'hier où j'étais pas très bien, on va dire, pas en très bonne forme, voilà. Mais ça va mieux là maintenant, donc voilà, on est prêt pour une belle émission de voyants. J'espère que ça va marcher, parce que je suis encore un petit peu fébrile, on va dire. Mais ça va quand même. Voilà, donc je vais avoir le plaisir de contacter quelques petites personnes ce soir et voyager à travers le temps. Voilà, j'espère que vous allez m'accompagner et que vous allez me donner un petit peu de votre énergie. Voilà, voilà, j'en ai un petit peu besoin ce soir. Voilà. Alors, la première personne, ça sera Claudine. Voilà. Allez, je vais passer un petit morceau de musique. Alors, ce sera un morceau d'Alabashung, La nuit, je mens. Voilà, et on retrouvera directement après Claudine. À tout de suite. Des questions? Des doutes? Jeff est à votre écoute. Découvrir ce que l'avenir vous réserve? N'hésitez pas, un seul numéro, 06 98 80 40 37. Pour des réponses précises et un éclairage dans votre vie, appelez Jeff au 06 98 80 40 37. Jeff répond toujours avec attention à toutes vos questions. Bienvenue sur LTU Radio. Je suis Dominique Cousson et je viens vous présenter la nouvelle émission Les Miroirs de l'âme que j'animerai tous les lundis soirs à partir de 22h sur LTU Radio. Venez me poser vos questions en direct sur les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de tous les jours et ensemble nous essaierons de définir la meilleure solution à votre situation. Si vous rencontrez des difficultés à faire des choix ou à prendre des décisions, je tenterai durant l'émission Les Miroirs de l'âme de vous apporter une guidance et de vous remettre, si possible, sur le chemin qui est le vôtre. Merci, à bientôt. Voilà, et donc rendez-vous avec notre ami Dom lundi prochain, à partir de 22h, juste après l'émission de Country Music. Alors, que fait Dom? Dominique Cousson, donc de son nom complet, on va dire, vous accompagne sur votre chemin. En fait, si vous vous égarez un petit peu, si vous avez peur de ne pas être à la bonne place, au bon moment, au bon endroit, enfin voilà, vous le contactez tout simplement et avec lui, vous voyez ensemble pour retrouver le chemin qui est le vôtre, comme il dit si bien dans cette petite annonce. Voilà, donc c'est tous les lundis à partir de 22h. Je vous invite à vous inscrire sur ltu-radio.fr en cliquant simplement sur l'onglet inscription et tout en bas, ploum, il y a le miroir de l'âme, c'est son émission. Donc voilà, il suffit de contacter. Alors en tout premier lieu, nous allons retrouver Claudine. Allô, allô. Bonsoir, Jeff. Ça va, Claudine? Ça va très bien. Ça va. Alors, chez toi, on sent comme si tu étais angoissée. Je ne sais pas ce qui se passe dans... ça fait comme si tu montais haut et après tu descends bas. Est-ce que tu n'as pas eu au niveau du travail quelque chose qui te plaisait, puis d'un seul coup, boum, ça ne te plaît plus? Si, c'est ça. Voilà. Parce que on sent quelque chose comme ça où le vertige, comme si tu avais le vertige, tu vois? Et ça fait comme des bulles qui montent dans le nez, on va dire. C'est le principe même de l'angoisse. Mmh. Et voilà. Et il y a du... Oui, et puis là, j'ai plus envie. Voilà. Et maintenant, il doit y avoir un désaccord au niveau professionnel parce qu'on sent tout comme si tu n'étais pas d'accord et que tu étais d'accord sur rien du tout, en fait. Oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un moment où ça va être... il va falloir voir pour un changement d'entreprise. Parce qu'on dirait que c'est mort, là, pour l'instant, hein, franchement, hein, entre nous. Hein. J'ai plus envie, donc je cherche plus. Donc, C'est mort. Pour moi, c'est mort. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux m'expliquer? J'ai
des convictions et on va à l'encontre de mes convictions. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Et en même temps, tu ne trouves plus ton espace au niveau du boulot. Voilà. Tu te sens comprimé. Voilà, tu te sens comprimé au niveau du travail. Tu vois, c'est comme si t'étais monté sur une montagne et que t'avais chopé un peu le mal de la hauteur, on va dire, et que t'étais retombé, mais que t'es retombé dans des espèces de grottes. Ouais. Et de là, tu te sens complètement comme si t'étais comprimé. On a l'impression que ton corps, il peut sortir de lui-même. Et qu'il y a, en fait, il y a la peau qui empêche de sortir ton corps de lui-même et de s'exprimer. C'est comme si on t'empêchait de t'exprimer. Oui, qu'on est bridé, ouais. Voilà, donc t'es bridé forcément. Hein. Et ça peut te créer des problèmes au niveau de la poitrine, comme si t'avais des problèmes respiratoires. Hein, tu sais, il te manque de la place dans tes poumons pour respirer comme il faut. Mmh. Je dois pas être loin de la vérité. Hein. Ouais, j'ai un point de temps. Voilà, je le sens, hein. Je sens que ta cage thoracique a besoin de s'expanser, de bouger. T'as besoin de trouver ta place, de reprendre ta place. Ouais. Donc ça va venir. D'accord ? Ouais, ça fait chouette. Ça va venir. Sois tranquille, tout va bien, comme dirait l'autre. Voilà, les choses arrivent et prennent leur place. D'accord. Voilà. Mais à mon avis, à un moment donné, tu vas changer d'entreprise. Hein. Bon, de toute façon, je ne sais pas ce que j'attends pour arrêter, mais voilà, j'ai quelque chose qui me dit que je ne dois pas arrêter maintenant. Non, c'est pas parce que tu as des choses à mettre en place à part, après. Mais tu n'avances plus. Et même ça se sent sur tes genoux, enfin sur tes genoux, non pas sur les mollets plutôt, pardon. On sent comme s'il y avait une douleur au niveau des mollets, comme si le mollet était compressé là aussi. Tu dois avoir un petit souci au niveau sanguin, je pense, des problèmes de varices ou des choses comme ça. Je ne fais pas de la tension d'eau, mais j'ai comme des petits bleus. Voilà, pour moi, c'est des petits vaisseaux qui ont explosé. Mm-hmm. Voilà, donc des varices, quoi, on va dire, hein, comme je le disais il y a deux secondes. Voilà, et on sent ça chez toi, et c'est pareil au niveau des cervicales. Il y a quelque chose au niveau des cervicales qui tend, là, c'est tendu. Oui. Voilà. Et quand on est comme ça, et ben, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut voir pour un changement. D'accord. Parce que tu es en train d'utiliser la santé et ça te donne même des maux de tête, comme si ta tête était fébrile. Oui, tout à fait. Ouais, attends, il est temps de voir autre chose. Je parlais des genoux, c'est véridique aussi, le genou droit. Hein. On sent qu'il y a quelque chose. Et dans les mains aussi, sur le dessus des mains, il y a comme des vibrations et quelque chose de bizarre. Voilà. Et tout ça, j'ai l'impression que c'est sanguin. Ouais, mais d'accord. T'as un petit problème sanguin. Je pense qu'au niveau de tes mains, peut-être que tu peux avoir le syndrome de Raynaud ou quelque chose comme ça. D'accord. C'est les doigts qui deviennent blancs et qui font mal. Enfin, en tout cas, il y a un souci sur la main. Je sens qu'il y a un souci sur la main. Voilà. D'accord. Voilà, j'ai l'impression que c'est sanguin. Ok. Voilà, bon. Alors pour ça, c'est bon. Mais même dans ta vie personnelle, on sent que tu ne trouves plus ta place. Je ne sais pas bien où je suis, en fait. T'es pas bien. T'es pas bien. On sent qu'il y a... comme s'il faut changer. T'as besoin de te retrouver. Dans ta vie personnelle, ouais. On va dire. Hein. T'as besoin de te retrouver et sur le formulaire, là, tu m'as demandé si t'allais trouver une maison ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Tu parlais d'une maison, je crois. Oui. On a mis notre maison en vente et elle tarde à se vendre. En fait, voilà, pour moi, si je vends ma maison, je vais revivre. oui, c'est sûr. C'est sûr. Parce que là, pour l'instant, vous survivez. Voilà. On n'est pas bien où on est. Non, mais ça se sent. Voilà, et on attend, hein, et on angoisse. Et j'imagine que le monsieur, il doit angoisser aussi, en quelque sorte. Hein. Ouais. Ton mari a l'air d'être... Il le sent moins, mais... Hop, je dirais pas comme toi. Lui, on va dire plutôt qu'il cache son jeu. C'est quelqu'un qui... comment dire ça ? Qui s'inquiète, mais il le montre peut-être pas. Voilà. Et je pense que ton mari est quelqu'un peut-être qui parle pas forcément beaucoup, mais qui parle quand il faut. Oui. Voilà. Voilà, on sent chez lui comme s'il avait de la retenue.
Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il est routier. Voilà, parce que je le vois se déplacer, c'est pour ça. Ouais, il est routier. Voilà, et il bouge beaucoup et voilà. Il fait quoi? Il rentre le week-end ou? Oui, il rentre que le week-end. Ouais. D'accord, c'est ça. Ok. Voilà. Mais il est bien. T'as un bon mari. Hein. Ouais, je sais, j'en ai mon or. Voilà. Et tout à l'heure, il va me donner un billet de 100 francs, hein, parce que. Je dis... Ah, d'accord. En fait, il t'a sous-oeil pour que tu me dises ça. Voilà. Bon, t'as rien dit. Hein. Non, d'accord, j'ai rien entendu. Voilà. Il va falloir qu'il fasse attention, lui, à des problèmes de peau. Ouais. Et il peut avoir de l'eczéma ou des choses comme ça, ou des éruptions de boutons, ou de... Il y a quelque chose comme ça, que ça le gratte, que ça risque de le démanger. Alors, je ne sais pas si c'est déjà installé, mais je sens... Voilà, ça va arriver, hein, je sens ça. Hein. Ah ouais, c'est écoutant. Voilà. Donc, il faudrait qu'il mette une espèce de lait ou de crème. Il y a une crème spéciale qui est faite pour ça, pour lui. D'accord. D'accord ? D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il transporte? C'est plutôt des objets qu'il transporte plutôt que des il fait partie d'un grand magasin ou quelque chose comme ça qui envoie je sais pas, du bazar ou des choses comme ça. Il est en citerne, il transporte beaucoup de liquide. Ah, c'est pas ça. Moi, je voyais qu'il transportait plutôt des objets solides. Ça, c'est, à moins que c'était peut-être avant ça. Ouais, c'était avant, ouais. Ça d'accord. Un bon mois qu'il a tourné en liquide. Ah d'accord, ok. Si ça fait que un mois, oui, c'est normal alors. Oui, c'est normal que je sois un petit peu en retard. Parce que la voyance, tu sais, c'est un curseur en fait qu'on déplace sur une échelle. Et en fait, là, je suis un petit peu en retard, on va dire. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu veux? Oui, la maison. Oui. Alors, elle est en vente depuis quand? C'est depuis un an à peu près, depuis l'automne dernier? Alors, elle est en vente au mois de février, ça fera 2 ans. Mais pour nous, elle est vraiment en vente depuis un an, puisque l'agence d'avant n'a rien foutu. Voilà, moi, on me dit qu'elle est en vente depuis l'an dernier, depuis un an. Depuis donc, depuis l'automne dernier, en fait. Voilà. Donc, ça correspond à ce que tu dis. Ouais. Voilà. Et je pense qu'elle va être... tu peux attendre un an encore, peut-être? J'aimerais bien la vendre maintenant. Oui, j'imagine bien. Mais je pense qu'il va falloir attendre un petit peu pour la vendre. D'accord ? D'accord. Il va falloir attendre un petit peu. C'est pas, à mon avis, ça ne va pas se faire de suite. C'est une histoire de quelques mois quand même. D'accord. Et voilà, ça va être fait après. Ok. Voilà. Ouais. Le camion de ton mari, il est bien révisé? Non. Parce qu'il y a des problèmes, je sens des problèmes au niveau du camion. Oui, il n'y a pas de chauffage. Voilà, il y a des choses à voir dedans. Hein. Pour moi, c'est pas terrible. J'ai l'impression que il y a même un côté que peut-être que ça peut être dangereux. D'accord. Voilà, parce qu'on parlait de tambours, et des tambours, pour moi, c'est des freins. Hein. Ouais. Mais bon, sur un camion, c'est peut-être pas des tambours, je ne sais pas ce que c'est, j'en sais rien. Il est là, ton mari? Non, il est sur la route. Ah, merde. Non, pardon. Ça fait penser. Oui, non, mais j'aurais voulu lui parler, c'est pour ça. Voilà, et on me montre aussi le lève-glace ou quelque chose comme ça. Il y a un problème de carreau ou de glace ou quelque chose comme ça dans le camion aussi. Hein. Ouais. D'accord ? D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Mon évolution professionnelle. Alors, ton évolution professionnelle. Alors, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je me suis remise il n'y a pas très longtemps à retirer les cartes. J'imaginais bien, je pensais bien que c'était dans le domaine spirituel. Je voudrais savoir en fait si je vais pouvoir faire sur la bonne voie. Si je vais pouvoir en faire un métier, pas tout de suite. Pas tout de suite, parce qu'il faut. Voilà, là c'est pas de la voyance, mais c'est de la logique. Ouais. À partir du moment où tu es bonne,
Donc tu es doué pour ce que tu fais. Il te faut environ 3 ans pour réussir on va dire entre parenthèses, à faire une clientèle. Donc Paris, c'est pas fait en une nuit. Hein, donc il va falloir que tu aies un roulement. Voilà. Et que tu suives bien tes cartes, parce que des fois tu es en désaccord avec tes cartes aussi. D'accord. Donc ça veut dire que il faut que tu les apprivoises comme il faut. D'accord. Et tes cartes aussi te permettent de tiens, c'est pas tout le temps que tes cartes te permettent aussi de parler avec les personnes de l'au-delà. Et elles te transmettent des messages de l'au-delà. Ok. Et voilà. Y a quelqu'un qui est décédé. C'est le papa ou ton grand-père ou les deux qui sont décédés? Alors j'ai deux grands-pères qui sont décédés. D'accord. Parce que je vois le côté masculin et je sais pas si c'est le grand-père ou le père. Et à mon avis, il y a le papa qui doit pouvoir te donner un petit coup de main, le grand-père, pardon, qui doit pouvoir te donner un coup de main au niveau du tirage de cartes. D'accord. Voilà, j'ai l'impression qu'il peut te parler à travers les cartes, parce que peut-être que tu n'entends pas encore comme il faut au niveau de la médiumnité, mais ça peut passer à travers les cartes pour toi. D'accord. D'accord. Ok. Voilà. Alors, une dernière petite question, si tu veux bien. Fais attention à tes pieds aussi. J'ai l'impression que t'as au niveau de la cheville gauche, il y a une fragilité à ce niveau-là. Hein. Ouais, je me suis foulée il y a longtemps. D'accord. Donc, c'est fragile encore. C'est fragile encore. Il faut que tu fasses attention où tu mets les pieds. D'accord. Voilà. Et aussi, tout ce qui est œsophage, tout ça, si tu peux avoir des remontées là ou de la pression à ce niveau-là, que ça va à l'estomac après. D'accord. Hein? C'est parce que tu es une angoissée perpétuelle, j'ai l'impression. Ça va mieux. Voilà. Mais tu es quand même angoissée assez souvent. Hein? Ouais, ben je m'inquiète. Voilà. Est-ce que tu as de la famille féminin que tu vois plus? Ou que tu vois très peu, qu'il y aurait une discorde ou quelque chose comme ça. Oui. Hein, c'est qui? C'est la maman ou la sœur? Alors, ça s'est remis il n'y a pas très longtemps, c'est ma belle-sœur. La belle-sœur, d'accord. Ok. On sent que tu t'es fâché avec une femme de la famille et qu'on se voit très peu. Alors, c'est plutôt ma sœur. Donc, c'est ta sœur. Donc, je ne me trompe pas. Oui, donc il va falloir essayer de voir à se réconcilier quand même parce que c'est important. D'accord. Même si tu veux pas pour l'instant. Non, mais je suis chiante, quoi. Ben, je sais, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ok. Tu tombes mal quelque part, quoi. Oui. Bon. Un prénom qui commence par un F, ça te parle? Oui. C'est qui, Françoise ou? Oui. C'est ça? Oui, oui. C'est qui, Françoise? C'est ma belle-sœur. D'accord. Ben, on parlait de ta belle-sœur. Ben là, voilà. Comme ça, moi. Voilà. Voilà. Il faut se réconcilier et c'est bien. Et c'est bien. Il faut remettre les choses à leur place. D'accord. D'accord. Ok. On va essayer. De la chanson, quelqu'un qui chante. Oui, mes enfants. D'accord, parce qu'on dit comme si c'était... on me montre comme du musical ou quelque chose comme ça, ou qu'on est en train de monter une pièce de théâtre ou un truc en chanson. Oui, ils sont tout le temps en train de chanter à la maison, en fait. Voilà. Les deux qui chantent. Bon, bah, c'est super. Hein. Je pense qu'ils vont te faire une surprise. Bon, je veux pas dire tout, mais il y a une espèce de pièce de théâtre ou quelque chose où ils vont chanter. D'accord. Il y a de la chanson de... Voilà. Ça. Voilà. Alors, où c'est que tu as envie d'aller habiter? Je voudrais partir sur la Moselle. Voilà, en ville? Ouais, à la ville, ouais. Parce que on me parle de boulevard. Donc je me dis que tu vas habiter en ville, mais sur un boulevard. Donc ça peut être un petit peu en périphérie de la ville, mais il y aura du passage quand même. Ben, ça va changer, mais c'est ce qu'on veut. Voilà, c'est ce que vous avez envie? Ouais, là, ça fait 11 ans qu'on est à la campagne. Et vous vous emmerdez? Ouais, on fait chier. Voilà, c'est... En fait, c'est pas votre truc, tout simplement.
Non, on a acheté parce qu'on a aimé notre maison, mais on n'a pas regardé le village en fait. D'accord, ben voilà, ben maintenant vous allez voir et puis vous allez changer, tout simplement. Oui. Voilà, voilà tout ce que je peux te dire. Ok, ben c'est très gentil, Jeff. Je te remercie tout plein. Ben, moi aussi, c'est bien parce qu'il faut faire confiance. Donc j'invite les personnes qui veulent participer à notre émission à se retrouver sur ltu-radio.fr et puis de cliquer sur l'onglet inscription. Voilà. Et donc, bon, ça revient à 5 euros, c'est pas excessif, et ça permet à LTU de vivre. Bon, pour celles et ceux qui sont vraiment dans le caca Proutberg, comme on dit, il y a moyen d'avoir aussi des consultations gratuites, quand même. Voilà, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop parce que la radio a besoin de vivre et si tout le monde s'amuse à prendre du gratuit, et ben, on ne pourra plus vivre, on sera obligé de fermer la radio. Je tiens à le dire quand même parce que on est proche quand même. Voilà, on va dire de ça. Voilà, voilà. Je te fais des gros bisous. Ouais, tout plein de gros bisous et puis longue vie à la radio quand même. Voilà, ben merci Claude. Voilà, à bientôt. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, on va s'écouter Sous les jupes des filles avec Alain Souchon. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne ltu-radio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt. Voilà, on retrouve demain notre amie Claire pour la numérologie vietnamienne. Voilà, très bon travail que le sien. Elle s'applique, elle met 2 heures de son temps pour faire les thèmes des personnes qui s'inscrivent sur ltu-radio.fr. Voilà, donc ben, je compte sur vous pour demander un thème de numérologie vietnamienne à notre amie Claire. Voilà, rendez-vous demain donc à partir de 19h30. Bon, on n'est pas encore là, hein. On accueille de suite Carole. Allô, allô, allô. Bonsoir. Oula, voilà, il va falloir se trouver mettre dans un lieu où c'est qu'on capte bien. J'ai l'impression que ça fait. Ouais, c'est vrai que moi aussi, là, du coup, je capte mal. Voilà, là, ça va, je te capte à peu près bien. Est-ce que tu m'entends bien, là? C'est bon? Oui, bien sûr. Voilà, c'est aigu, c'est grave, pardon. On va essayer de. Voilà, j'essaie de régler un peu le son pour qu'il soit à peu près potable. Voilà. Alors. Ah, pareil. Alors là, c'est encore une autre angoissée. Il faut que tu fasses attention, il faut que tu respires. Hein, c'est souvent des personnes angoissées. Ah voilà, ça a coupé. Aïe, aïe, aïe. Bon, il faudrait me rappeler. Voilà. Carole, est-ce que tu peux me rappeler si tu entends? Je ne sais pas. Ah, ça a coupé. Aïe, 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 aïe. Une mauvaise communication. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Je vais attendre qu'elle me rappelle. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. Oui, bon, je vais essayer de rappeler. Je vais voir ce que ça donne. Oh là, je savais bien que ça ne captait pas. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, on rappelle. On va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Allez, tom. Je crois qu'elle n'a plus de téléphone carrément, oui. J'ai l'impression que c'est ça. Allô, tu peux me rappeler? Oui, bien sûr, mais fais vite parce qu'il y a les auditeurs qui attendent. À tout de suite, oui. Voilà, allez, je vous mets une petite musique en attendant, histoire de ne pas perdre trop de temps et de ne pas vous laisser dans le... voilà, au milieu de ma vie, tiens. Allez, je crois que c'est Garou qui chante. Allez, à tout de suite.
Voilà, c'était donc un petit morceau de Garou et on accueille donc Carole. Caroline. Caroline, c'est marrant parce que Caroline, c'est marrant que je dise Carole. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai l'impression que t'as pas de chance, quoi. J'ai l'impression que tu as un manque de chance quelque part. Et on t'aurait pu t'appeler Carole parce que tu sais pourquoi? Parce que dans le temps, j'avais une copine qui s'appelait Carole et on l'appelait toujours Carole Bad Ball. Ah ben oui. Et voilà. Et j'ai l'impression que t'as un manque de veine, là. T'as un manque de chance. Oui, c'est fort possible. Ah, c'est même certain. Hein. Voilà. Et il faudrait que tu retrouves ta chance, si je peux dire. Oui. Voilà. Et on dit, c'est marrant parce qu'on, c'est comme si on disait, donne-moi ma chance encore. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez toi qui a des analyses médicales à faire? Je ne serais pas étonné que ce soit toi. Hein. Genre une prise de sang, quelque chose comme ça. À ma connaissance, non. Ben, je te dirais oui. parce qu'on sent que tu te fatigues assez rapidement, là, ces temps-ci, je trouve. Oui, c'est vrai, oui. Voilà. Et donc, il va falloir aller voir si tu si t'as pas une anémie, je pense. D'accord. Est-ce que tu n'es pas sujette, est-ce que tu n'es pas sujette aux anémies ou à des choses comme ça? Alors, à ma connaissance, non, mais en ce moment, c'est très difficile et effectivement, je me fatigue très vite. Voilà, il y a de la fatigue. Ouais, on te sent fatigué. Donc voilà, ce serait bien d'aller faire. Voilà, tout à l'heure je te disais tu vas avoir, mais en fait ça serait bien d'aller voir quelqu'un quand même pour te rassurer et savoir qu'est-ce qu'il faut que tu prennes pour que tu ailles un petit peu, tu aies un peu plus la pêche. Ouais, d'accord. Ouais. Hein? Voilà. Il y a un côté. Là où tu es, là, tu t'isoles un petit peu chez toi, là, il y a quelque chose, on dirait que tu passes ton temps dans la même pièce. En ce moment? Ouais, on a l'impression que tu occupes pas tout ton espace. Il y a un problème d'espace, il y a un problème d'espace chez toi. D'accord. Oui. C'est ce que je ressens. Hein. Donc, on sent comme une pièce où y aurait besoin de mettre de la lumière dedans, si je peux dire. D'accord. Chez toi. Ouais, c'est possible. Alors après, physiquement, je vois pas quelle pièce, mais c'est vrai qu'après, je sais pas si c'est un lien, mais je me renferme beaucoup sur le travail. En ce moment, je passe énormément. Ben, il y a quelque chose qui fait que tu te renfermes. Hein. De toute façon, c'est comme si tu faisais un espèce de repli sur toi-même. D'accord. Et même chez toi, j'ai l'impression de ça. On sent qu'il y a le côté dialogue qui est en train de s'amoindrir aussi. Ouais, c'est possible. Ouais. Ah, c'est certain. C'est même possible. Ouais, ouais. Moi, j'en suis sûr de chez sûr. Et je dirais même sûr de chaussures. Voilà. Tu bosses dans quoi? Je travaille dans une université. Une université. Pourtant, c'est grand, les universités. Oui, hein. Ouais, c'est grand. Je travaille en scolarité. Je m'occupe des étudiants, en fait. D'accord. D'accord. Et... Le travail te sert à compenser quelque chose qui ne va pas chez toi, en fait. Ouais, je ne m'en rends pas compte non plus. Ben, moi, j'ai l'impression qu'il y a ça. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a ça. Voilà. Est-ce que tu as une question à poser? Alors, en fait, j'ai appelé à la base parce que j'achète une maison. En janvier, enfin là je suis en plein dans les démarches, tout est fait, il reste juste à signer l'acte de vente. Ouais. Et a priori, dans cette maison, d'après les pendules, il y aurait une entité. Voilà, bon, souvent il y a des entités partout. Souvent il y a des occupants dans les maisons et voilà. Bon, maintenant. Est-ce que tu es rentré, toi, j'imagine, oui, tu es rentré dans cette maison.
Bien sûr, oui. Tu l'habites pas encore ? Non, pas encore. Alors c'est ça qui me fait peur. Parce qu'en fait, je suis en train de te parler de ta maison future. Oui. Et j'ai peur que cette maison, dans cette maison, il y ait une pièce qui soit, on va dire, entre parenthèses, lourde. Oui, ben c'est ça, oui. D'accord ? Et on sent et c'est pour ça que je voyais comme des volets qui étaient entrouverts. Pardon ? C'est pour ça que je voyais comme des volets entrouverts, en fait. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Et il va falloir ouvrir les volets et mettre de la lumière dans cette pièce. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que c'est une pièce du rez-de-chaussée. Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu as un salon ou quelque chose comme ça au rez-de-chaussée ? Une pièce qui serait de forme carrée ou quelque chose comme ça ? C'est une maison, en fait, qui est sur sous-sol. Donc, il y a tout le sous-sol. Ouais. Il y a l'étage où c'est la partie habitable avec le salon, etc. Et il y a les combles qui sont aménagés. Oui. Et ça serait plutôt la pièce des combles où il y a, en fait, une chambre avec un ancien berceau et... Voilà. Est-ce que la pièce est carrée ? Ou presque carrée, quoi. Ouais, elle est presque carrée, ouais. Voilà. Parce que moi, je vois une pièce carrée. Où il manque ça manque de lumière. Et peut-être que je me trouve juste trompé d'étage, en fait. Hein. Ah ouais, mais c'est ça, il manque de la lumière, ça, c'est sûr, ouais. Voilà. Et ben, il faut remettre de la lumière dans cette pièce-là. D'accord. Et voilà. Mais moi, je pensais que c'était le salon. Franchement, hein. Bon, de toute façon, dans le doute, tu feras les deux pièces. Tu vas nettoyer les deux pièces. Parce que je trouve bizarre que je me trompe de trois étages, quand même. D'accord ? Allô, allô ? Oui. Oh, j'avais peur que ce soit coupé encore. Non, ça coupe un petit peu, mais ça va. Voilà, ça va, si t'arrives à machiner. Voilà, c'est une maison qui date de quelle année ? C'est une maison des années 50, 70, ou entre 50 et 70 ? 60. D'accord. Parce que ouais, je vois quelque chose comme ça, une vieille maison, mais pas vieille quand même, tu vois. Ben c'est ça, en fait. C'est une vieille maison, mais la partie habitable a été refaite à neuf. Voilà. Il y a juste les combles, en fait, qui sont restés dans le jus des années 30. Donc, tu feras le salon aussi, hein, parce que c'est important. D'accord. Voilà. D'accord, ok, ouais. Il y a quelqu'un qui est... C'est important que je remode à ma façon, quoi, que je refasse la maison un peu à ma façon pour... Voilà, il y a quelqu'un qui est... Il y a quelqu'un qui est parti de problèmes de la tête ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai tout mal à mes D'accord. yeux, j'ai mal à mes yeux et j'ai mal à ma tête. Ma tête, ça me tire dans la tête. Ça me fait tout mal dans ma tête, en fait. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui est parti soit d'un AVC, soit rupture d'anévrisme, ou soit un truc au niveau du cerveau, comment on appelle ça, une tumeur au cerveau. D'accord, ok, d'accord. Il y a quelque chose comme ça dans cette maison. Donc, un nettoyage s'impose. Ouais, un nettoyage que je peux faire moi. Que tu peux faire toi, tu essayes avec de la sauge déjà, si tu peux. Et sinon, tu prends, comme Dom me l'avait dit, tu prends du camphre, que c'est plus important, c'est plus fort. D'accord. Ouais, moi, j'ai jamais été jusqu'au camphre, hein, je me suis toujours arrêté à l'encens papal. L'encens, je crois que c'est papal qu'on dit. Voilà. D'accord. Sinon, en général, je prends du bain-joint. D'accord. Okay. Voilà. Le papier d'Arménie aussi, c'est sympa aussi. Ça nettoie bien aussi, normalement. D'accord. Voilà. Oui, donc ce nettoyage à faire et voilà. Tu as mis du temps à trouver cette maison ? Alors en fait, on cherchait, ça faisait quelques mois qu'on cherchait une maison, mais cette maison, quand on l'a trouvée, le soir même, on a dit oui pour la prendre. D'accord. Qu'est-ce qui vous a attiré dedans ? C'est un coup de cœur général. Après, c'est vrai que le prix, par rapport à toutes les autres maisons qu'on a pu visiter, c'est la seule où on l'a vu, qui a été refaite à neuf, au prix où on cherchait. D'accord, donc c'est tombé pile poil, quoi. Ouais, c'est tombé pile poil. Ouais. D'accord. Alors.
Qui c'est qui a... C'est ton mari ou c'est toi qui a craqué pour la maison? C'est plus lui. Ouais, c'est pour ça que je te pose la question. C'est lui qui l'a trouvé et c'est lui qui m'a incité à aller là-dessus. Voilà, parce que on me dit que c'est comme un coup de cœur, comme si lui avait eu un coup de cœur pour la maison. C'est ça. Et il a pensé que, et il a pensé à toi en fait quand il a dit oui pour la maison, il a pensé à toi. Quand il a visité, il a dit ça serait bien pour ma femme, enfin pour toi quoi en fait. Hein. D'accord, ouais. Voilà, ouais. Voilà, voilà. Et il a quel âge le monsieur? Il a 22 ans. Oui, il est tout jeune. Oui, il est un peu plus jeune que moi. Voilà. Mais c'est pas, ça, c'est pas important. L'important, c'est de s'aimer. L'amour oui, n'a oui, pas d'âge. Bien sûr, tout à fait. Voilà, l'important, c'est de s'aimer. Et après, le reste, voilà. Alors, tout à fait. Mais lui est très sensible. Oui. Ton homme, il sait, on va dire, il sait prendre les décisions, il sait mettre ses pieds là où il faut, mais c'est quelqu'un qui est quand même très sensible. Hein. Tout à fait. C'est exactement ça. Hein. Voilà. Ouais. Par contre, des fois, il peut avoir la tête en l'air, il peut oublier. Complètement. C'est tout à fait lui. On me dit ça. Il a besoin souvent d'une piqûre de rappel, comme on dit. C'est ça. C'est tout à fait ça, exactement. Voilà. Il a un petit souci aussi au niveau de... Peut-être au niveau respiratoire, peut-être des rhumes, tendance aux rhumes. Oui. Voilà, on le sent comme ça, hein, avec des rhumes. Et puis, et il a un doigt fragile sur la main gauche, j'ai l'impression. Il n'a pas eu quelque chose au niveau de... Au niveau des doigts, il ne s'est pas tapé dessus ou quelque chose? Alors, la main gauche, ça ne me dit rien. Bon, même la main droite, mais ça ne me dit rien au niveau des doigts. Mais bon... Ah, moi, je sens les doigts. Je sens les doigts. Alors, il faudra qu'il fasse attention à tout ce qui est tendinite et des choses comme ça. D'accord. Que ça tire, ça me tire sur les doigts. D'accord. Ouais. D'accord. C'est vrai qu'il a tendance à se fermer la main régulièrement, à se la fermer, à se la tirer. Donc effectivement, ça tire dedans. Il y a quelque chose qui tire comme une tendinite. D'ailleurs, quand c'est tendinite, c'est tendu. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ouais, bien sûr. Et c'est comme ça que je le ressens. D'accord. Tu vois, sur la rediff, tu verras parce que j'ai ma main qui est à moitié refermée. Ah ben oui. ça me fait ça et ça tire un peu à l'intérieur et ça va jusqu'au bout du doigt. Jusqu'au bout des doigts, parce qu'il y a deux doigts qui sont bizarres au niveau des tendons, on va dire. D'accord. Voilà. Est-ce que Michel, ça te parle? Une dame J'ai une collègue de travail, oui. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'un coup de main, parce que elle, on va dire qu'elle a besoin de tendresse. J'imagine qu'elle est en train de passer des trucs émotionnels assez importants. Oui. Et voilà, je ne sais pas ce qui lui arrive, on ne me dit pas ce qui lui arrive, mais je pense qu'elle va avoir besoin qu'on lui remonte le moral. D'accord. Est-ce que ça te parle? Oui, complètement, ouais. Voilà, donc voilà, tu sais ce que tu as à faire et... J'ai pas compris. Elle a des soucis avec sa maman. Voilà, donc elle a besoin d'un coup de main, il va falloir la supporter, enfin l'épauler un petit peu, parce que pour elle c'est très dur et je sens toutes ses épaules qui, comme si c'était écrasé les épaules, parce que c'est lourd à porter pour elle. D'accord, ouais. Hein, donc si tu peux lui donner un petit coup de main et l'aider à faire en sorte que ça aille mieux pour elle. D'accord. Voilà, ça tu peux faire, c'est dans tes cordes. Oui, bien sûr. Voilà, parce que j'ai l'impression que tu as, toi aussi, quelque chose de sensitif, que tu as moyen d'apporter quelque chose aux gens, avec ton énergie, on va dire. D'accord. Voilà. Je ne serais pas étonné que les gens qui sont à ton contact, ils se sentent un petit peu mieux, ou alors qu'ils aient tendance à venir te voir pour raconter un petit peu leur petit bobo. Oui, c'est vrai, ouais. Voilà. Ben, là, c'est toi qui vas aller vers elle parce que peut-être qu'elle elle n'ose pas. Elle n'ose peut-être pas et voilà, elle a besoin d'aide. D'accord. Voilà. Si tu as une question. Après, toujours par rapport à cette maison, est-ce que je peux y voir.
un avenir positif dans cette maison si je rechange un peu l'énergie? Je pense. D'accord. Oui. Normalement, c'est bon, normalement. Hein. Voilà. D'accord, nettoyage, hein, même nettoyage. Heures, en fait. Et avant de rentrer dans la maison, tu mets à l'entrée de la maison, tu mets un petit verre de vin. Avant d'aller l'habiter, de quelques jours avant, tu mets un petit verre de vin et un petit morceau de pain. De pain, ouais. Et un petit morceau de pain. Et tu fais une petite offrande aux personnes qui sont dans la maison. Ça veut dire que tu arrives en ami et que. Et voilà, tu arrives en ami et c'est pour remercier les gens de t'accueillir. Les entités qui sont dans la maison, c'est pour les remercier de t'accueillir. Parce que c'est pas méchant. D'accord. Voilà, ça t'empêche pas de faire un nettoyage quand même. Hein. Bien sûr, je peux le faire en amont, le nettoyage. Je peux le faire avant. Essaye de le faire le vendredi. Le vendredi, c'est quand même mieux. Le vendredi. Moi, quand je nettoie les maisons, je fais trois vendredis de rang. Voilà. D'accord. Je mets du gros sel dans tous les coins. Et le sel, tu vas le rejeter à l'eau. D'accord. C'est-à-dire que si tu as une petite rivière à côté de chez toi ou la mer, ouais. Et ben, tu vas le mettre à la mer ou à la rivière. Le sel, d'accord. De façon à ce qu'il retourne à la mer, en fait. Ouais. Voilà. Et toutes les semaines, tu mets le vendredi, tu mets le sel et tu le laisses jusqu'au vendredi suivant. Et après, tu vas jeter à la mer. Mais tu en remets d'autres dans les coins de chaque pièce. Voilà. Et ça, trois vendredis de suite. Et le dernier vendredi, tu mets une bougie que tu allumes aux quatre coins de la maison, à l'intérieur. Tu mets une petite bougie de dessous plat. D'accord. Oui. D'accord. Voilà, tu fais ça, c'est des bougies blanches, tu mets ça aux quatre coins de la maison. Et quand tu mets le gros sel, et ben tu bénis en même temps ta maison. Toi-même, c'est pas la peine d'appeler le curé. Est-ce qu'il y a une importance qu'on le fasse le matin ou le soir? Non. Non, pas d'importance. Non, mais tu fais ça trois vendredis de rang et ça va aller. D'accord, ok. Voilà. Elle a besoin de tendresse, Michel. D'accord. Voilà, je te répète parce qu'on dit de te répéter. Voilà. D'accord, mais je m'en doute. Il suffisait de me le dire, mais en fait, c'est vrai que maintenant, avec réflexion, je m'en doute, ouais. D'accord. Voilà. Je sais pas si. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a des problèmes cardiaques ou quelque chose comme ça autour de chez elle, autour d'elle. Je sais pas, sa maman, qui est une personne âgée, je sais qu'elle a des soucis et que bon. Je pense qu'elle a des problèmes. Elle a des problèmes de cœur, je pense. D'accord. Il y a quelque chose qui ne va pas là de ce côté-là. D'accord. Voilà. Ok, donc c'est bon. Est-ce que tu as une question? Non, du coup, moi, c'était vraiment par rapport à la maison, et du coup, non, je pense que. Je pense que c'est bon, vous avez répondu à toutes mes questions. Oui. Oui. Ben, ça va. Alors, si... c'est marrant parce que le bonheur, on parle de bonheur pour toi. Oui, au moment de la bête à bon Dieu, la coccinelle, t'as pas un rapport spécial avec les coccinelles? Non, je crois pas. On me montre la bête à bon Dieu et c'est pour toi le bonheur. Ouais. En fait, je pense que de l'autre côté, on va faire en sorte que tu sois heureuse. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Et en plus, comme tu donnes un coup de main aux gens, je pense que ça va te porter bonheur. D'accord. Bon, ça me réchauffe le cœur. Voilà. Voilà tout ce que je peux te dire pour maintenant, si t'as pas d'autres questions, c'est pas la peine de voilà, hein. D'accord. Non, je pense que vous avez répondu à l'essentiel de ce que je voulais savoir. Bon, c'est super. Merci beaucoup. C'est moi. Donc c'est Caroline, hein, c'est pas Carole. Hein. Non, Caroline. Oui. Voilà. Tout met votre bonheur dans cette nouvelle maison, Caroline. Merci beaucoup. Voilà, puis à bientôt peut-être. Hein. Oui, à bientôt. Voilà. Oui, je ne manquerai pas de vous écouter et je rappellerai peut-être. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est ouvert. À bientôt.
Bonne soirée. Allez, on va s'écouter Amir et le titre de la chanson c'est On dirait. En fait, c'est l'histoire de d'un ange. Voilà, un ange qu'on a tous, un ange gardien. Et voilà, je vous invite à écouter les paroles parce que c'est une chanson qui est quand même super sympa et qui dit qu'on a tous quelque part un ange gardien qui nous aide et qui nous protège. Et c'est une chanson qui est vachement fraîche et qui, je sais pas, apporte quelque chose cette chanson. J'adore. Voilà. Donc Amir, On dirait. Des questions? Des doutes? Jeff est à votre écoute. Découvrir ce que l'avenir vous réserve? N'hésitez pas, un seul numéro, 06 98 80 40 37. Pour des réponses précises et un éclairage dans votre vie, appelez Jeff au 06 98 80 40 37. Jeff répond toujours avec attention à toutes vos questions. C'est Kate, la psychogénéalogie vous parle ou vous questionne? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur deux vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt! Voilà, et la psychogénéalogie ainsi que le transgénérationnel vous sont proposés par notre ami Kate dans son émission L'Arbre aux Étoiles. Voilà, alors si vous avez envie d'obtenir un thème qui corresponde à la personne que vous êtes, voilà, alors une simple adresse sur ltu-radio.fr, vous cliquez sur l'onglet inscription et vous choisissez donc l'émission de notre ami Kate. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle, thème psychogénéalogie. Voilà, c'est comme ça que c'est indiqué sur le site. Voilà, on accueille Nathalie. Bonsoir Jeff. Oui, Nathalie. Nathalie, c'est toi que j'ai eu la dernière fois en médiumnité, oui. Il me semble. Oui. C'est toi? Oui, oui. Oui, d'accord. Oui. D'accord, d'accord. Alors, je vais essayer de pas trop me répéter, parce que y a des choses qui reviennent, et je vais essayer d'aller voir un petit peu sur autre chose. Parce que c'est pas facile de passer derrière, comme ça. En plus, c'est moi qui a fait. Oui. Voilà. Ton ventre qu'il faut, il faut faire attention au niveau, oui, du ventre. Je vais pas parler du tabac et tout ça, hein, d'accord, je vais laisser ça de côté. Non. Hein, je t'ai assez fait la morale la dernière fois. Là on va partir, oui, sur autre chose, d'accord? D'accord. Voilà, alors on me parle de tout ce qui est le ventre, les intestins. Ok, d'accord. Alors pour moi c'est le côlon, parce que c'est en haut des intestins, et donc le côlon on sait qu'il fait tout le tour de tout le tour du ventre. D'accord. D'accord. Donc, il faut surveiller ça. Essaye de prendre des choses qui allègent ton ventre. D'accord. Voilà. Ça te parle? Oui, oui, oui. D'accord. Voilà. Alors, on me parle aussi de ta vue. Il y a de la tension dans les yeux. Ah bon? Oui. De temps en temps, tu sens pas que ça te... Comme si on appuyait sur tes yeux. Comme s'il y avait un... Comme si tu avais un bleu dans l'œil ou quelque chose comme ça. Ben, j'ai pas de mon temps, mais ça c'est sûr. J'ai pas compris. Je dois de moins en moins. Oui, mais je parle pas de la boisson, je parle de ton œil. Ben, tu sais, ma vision seulement, moi, je me rends compte. Oui, mais fais attention. J'ai des petits vaisseaux qui pètent. Ben oui, c'est ça, faut faire attention à tes yeux, parce que t'as, justement, les petits vaisseaux qui pètent, c'est parce que t'as de la tension dedans. D'accord. Tu as de la tension dans les yeux. Non. D'accord. Pour faire un check-up complet, là. Oui, mais je te l'avais dit déjà la dernière fois, hein. Oui, oui, mais j'ai une prise de sang prévue, j'oublie. Super, 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 super. J'ai été voir le médecin, tout, t'inquiète. Génial, génial, génial. Voilà, donc voilà, il faut prendre soin de toi, c'est it's very important, ok? Oui, 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 oui. Voilà. Alors...
Voilà. Tu marches beaucoup, tu fais tu ces temps-ci là, tu bouges pas mal? Totalement. Non. Ah, il faudrait bouger. Totalement, pas trop. Bon, tu vas voir ta fille quand même et tout ça, quoi, tu bouges? Ah ben c'est Emily qui vient de voir. D'accord, ok. Bon, ce serait bien que tu fasses un petit peu l'inverse. Ben je l'ai fait. Bon, super. J'étais hier. D'accord, ben donc tu bouges, c'est bien ce que je dis. Voilà. Essayez de faire en sorte que vous alliez un coup c'est elle qui vient, un coup c'est toi. Ok. Parce que ça, ce sera bon pour ton corps. D'accord. Hein? Voilà. C'est ma santé, moi, qui est importante. Ben c'est ça, c'est pour ta santé, c'est bon pour ta santé. Même si tu y vas doucement, oui. Mais vas-y, quoi. C'est important. Ouais, d'accord. Voilà. Alors. Oui, alors tout la tête, hein, même au niveau de l'oreille gauche, on sent qu'il y a des douleurs. Est-ce que tu as entendu parler ou est-ce que quelqu'un est venu te voir, on va dire quelqu'un qui n'est plus quelqu'un, donc quelqu'un qui est décédé? Oui. Est-ce que cette personne-là est venue te voir, est-ce que tu l'as entendu? Oui. Super, 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 c'est ce qu'on est en train de me dire. Voilà. Une fois. Donc tu vas avoir le droit de réentendre encore. Oh ben j'aimerais bien. Ça va revenir. Mais ce qu'il m'a dit, c'était pas bon. Comment? Ce que j'ai entendu, ça date de l'année dernière. D'accord. On est venu voir, ça m'en a réveillé. Voilà, et ben tu vas pouvoir réentendre encore. Eh ben j'aimerais bien, parce que je suis resté sur la phrase qui m'a réveillé. Et elle est pas bonne. Alors c'était quoi? On m'a tué. Oui, on m'a tué, mais c'est parce que c'est quand j'ai fait un cauchemar, soit que... Non, t'as pas fait de cauchemar, c'est quelqu'un qui est décédé, et voilà. T'as peut-être pas compris, mais je ne sais pas. Voilà, mais là, ce sera plus sympathique. Ah, ben, ça, c'est... Ça ira? Oui. Ah oui, au contraire, ça m'intéresse. Voilà. Alors, il y a la chanson que j'ai mise, c'était pour toi aussi, hein. Ben, je ne l'ai pas entendu, moi. Ah, c'est un ange, on dirait. Un ange qui veille sur toi. Un ange qui veille sur toi. Qui veille sur toi. Je note, je l'écoute après. Alors, c'est on dirait, et la personne qui chante ça, c'est Amir. Amir, oui. Oui, ok. C'est un gars qui a fait The Voice, ou The Voice, je crois que c'était. Oui, c'est The Voice. Okay. D'accord. Ok. Voilà. Tu auras besoin de te faire aider aussi, hein. Ah bon? Oui, donc l'aide que tu vas recevoir de l'autre côté, ben l'aide que tu vas avoir, c'est de l'aide de l'autre côté déjà aussi. Hein. D'accord. Voilà, tu vas avoir une aide médicale, mais tu vas avoir aussi une aide, on va dire spirituelle. D'accord. De quelqu'un que tu aimes bien et qui est de l'autre côté. D'accord. Tu vois qui c'est? Ben, j'aimerais bien que ça soit mon mari. Ben c'est lui. C'est de lui que je te parle. Voilà. Ah ben oui. Il sait ce que c'est la maladie. Oui. Voilà. Donc il va pouvoir t'aider. Ah ben oui. Voilà. Parce que je sens tout son corps qui tremble et qui bouge. Puis, au niveau du cœur, ça fait ta, 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 comme ça. Ah oui, ouais. Et toi, t'as beaucoup de pression. T'as beaucoup de pression au niveau de la poitrine. Oui, c'est vrai. Voilà, donc. Ben oui, il faut que tu décontractes là, parce que c'est tendu, t'as beaucoup de pression. Oh. Ben, j'ai du mal à digérer tout le temps, quoi. Ben oui, je comprends. J'ai compris. C'est tout ça. Hein. Voilà, essaye de retrouver la rigolade et tout ça, le sourire, ça serait super. Ben, j'aimerais bien. Ben, ça va venir. Hein? Voilà. Est-ce que tu as des questions à poser? Oui, ben, sur mes enfants en général. Sur la vie en général? Sur mes enfants. Ah, tes enfants. Et qu'est-ce que tu veux savoir sur tes enfants? Ben, comment ils vont s'en sortir dans l'avenir? J'aimerais bien savoir. J'entends très 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 mal de Nathalie. Comment eux, par rapport au décès de leur frère et de leur père, oui. Comment eux, dans l'avenir?
Ben, je sais pas. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une de tes filles qui a, on va dire, un petit souci au niveau du bras, comme si elle avait des, ça tirait sur le bras. Ah bon? Alors, je sais pas laquelle que c'est. Est-ce que c'est... tu peux me donner leur prénom? Émilie. Émilie. Apparemment, c'est des garçons. D'accord. Bon, alors je pense que c'est Émilie qui doit avoir du mal à attraper les choses. Émilie, elle a une fille? Oui, Élikia. D'accord. Voilà. Peut-être qu'elle a besoin d'un petit, peut-être un petit coup de main pour sa fille, peut-être. Ah bon? Oui. On sent qu'elle a peut-être du mal à attraper tout ce qu'elle devrait faire par rapport à la petite. Elle a quel âge, la bambinette, là? 9 ans. 9 ans. Ben, peut-être que voilà, il y a quelque chose qui fait par rapport à la gamine que Émilie a besoin d'un coup de main. D'accord. Voilà. D'accord. Okay. Ouais. J'ai l'impression que c'est comme si je la voyais qui court dans tous les sens. Émilie ou Élikia? Ben, Émilie est la petite, quoi. Ben oui, elle court dans tous les sens. Mais... Oui, je vais voir. Voilà. Oui. Et les garçons, comment c'est? Ils ont quel âge? Oula. 30 ans. Oui. 15 ans. Oui. 24 ans. Est-ce que... c'est comme s'il y en a un qui revient, il fait marche arrière ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. On sent qu'il y a une marche arrière pour lui. Il y a un retour en arrière. Donc, de toute façon, il va te dire que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, lequel des deux, Jérémy? Je ne sais pas. Les deux grands, ils sont partis de la maison, j'imagine? Oui, les deux. Voilà, alors je pense qu'il y en a un qui va revenir faire un petit stage à la maison. Ah. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il y a besoin de retrouver les sources. Ah. Ça te parle? Oui, mon petit Jean-Christophe. Voilà. Il doit sentir seul. Ah oui, Océane, c'est l'Eurovision. Merci. Amir, c'est l'Eurovision. Amir, c'était pour l'Eurovision. Il est venu déjà à la maison, il est reparti. Voilà. Ben, il doit se sentir seul. Ben, je crois que c'est ça, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va avoir besoin d'un retour aux sources. Donc il va revenir habiter un petit peu avec toi. Ça ne me dérange pas, bien au contraire. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il va rester longtemps non plus, mais il y a un petit moment de retour. Ah ben c'est bien. Voilà. Est-ce qu'un jour il me trouvera une copine? Ah ben je pense que oui, quand même. Quand même. Aussi bien, si possible. Je pense, oui. Je pense. Une jolie fille. Une jolie fille. Mais ouais, voilà, mais le fiston aussi, il faut qu'il mette un petit peu du sien aussi. Parce qu'il est, il est dans cette dynamique-là où il se sent seul. Et en fait, plus il va se sentir seul, plus il va tourner en boucle. Et il va s'isoler de plus en plus, en fait. Ah, d'accord. Ben oui. Ok. Ça te parle? Bon, normalement, oui. Hein. Ça devrait te parler. Il reste enfermé chez lui, quoi. Oui, voilà, exactement. Voilà, j'ai compris. Voilà. Ok. Parce que plus il va rester enfermé, plus moins il va sortir, quoi. Bah oui, et en plus il doit être mal dans sa peau parce que je le sens avec comme des brûlures d'estomac et des choses comme ça, des problèmes au niveau du ventre. Possible, oui. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Oui. Ok. Moi, en général, quand les femmes elles me disent possible, pour moi, ça veut dire c'est certain. D'accord. C'est le langage féminin, ouais. Ça. Oui. Voilà. Alors, tu as une question? Quelque chose pour te poser. Ah bah, je sais pas, parce que je t'ai tellement parlé, en fait, que... Mon avenir. Comment tu vois mon avenir? Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, je t'ai dit qu'il fallait aller voir le docteur. Oui, mais à part ça... Je te parle au niveau de ma vie, bon, après que j'ai perdu mon mari, mon fils, que je me retrouve tout seul avec Théo, l'avenir financier, tu vois ce que je veux dire, on voit que c'est compliqué quand même. Hein. Voilà. C'est compliqué, on dirait que à la fin de chaque mois, c'est vraiment le rat des pâquerettes, si je peux dire.
Oui, bah, c'est tout voilà. à fait ça, oui. C'est vraiment le... Oui, on sent que c'est pas terrible. Hein. Mmh. Voilà, et t'as beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir que tu dégages de toi. Il y a comme des comment je pourrais dire ça des choses mauvaises que tu as à l'intérieur, que tu as besoin de d'évacuer. C'est tout ton vécu que tu as, des choses que tu as supportées. Beaucoup trop. Voilà, et il faut que... C'est difficile à enlever. Ah, mais oui, mais peut-être en allant voir un thérapeute, peut-être. Il pourrait t'aider. Un bon thérapeute. Oui. Tu es de quel côté, toi? Moi, je suis de Caen. Ah merde, j'allais te donner une thérapeute, mais du sud de la France. Oula. Oui, bah oui. Bah oui. C'est une amie, en plus. C'est Chantal, oui. C'est Chantal. Oui, voilà. D'accord. Ouais, mais... le passé va pas me suivre tout le temps. Mais c'est ce que je suis en train de... C'est ce que je suis en train de te dire, Nathalie. C'est... Oui. En fait, ton passé, c'est ce qui t'encombre. Ça t'encombre partout. D'accord. C'est ton passé qui te fait mal à la poitrine, qui t'empêche de respirer, tout ça. D'accord. Voilà. Je te dirais bien de déménager aussi, mais pour l'instant, tu n'as peut-être pas les moyens de déménager non plus, quoi. Exactement. Mais ce serait bien que tu déménages. Hein, il y a trop... C'est trop lourd chez toi. D'accord. Mais ce serait bien. Est-ce que tu as moyen de te faire aider par une assistante sociale ou quelque chose pour changer de logement? Oui, c'est ce que je vais faire pour l'année prochaine. Ça te ferait du bien, franchement, hein, de voir un autre paysage, quoi. Là, tu ouvres tes carreaux, tu vois toujours le même paysage et c'est pas franchement ce que tu as besoin ou envie de regarder, j'ai l'impression. Hein. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, change de. Si tu peux, change de logement. Fais une demande pour changer. D'accord. Hein, voilà. Oui. Ça va te faire du bien, en tout cas. Oui. Voilà. Et essaye de prendre des choses qui sont bonnes pour le cœur aussi. Je sais pas si c'est bon le jus de carotte, mais peut-être que dans le chat ils vont te donner des conseils là pour le cœur. Est-ce que tu peux regarder le chat là, dans le chat, qu'est-ce qui est écrit? Non, pas du tout, c'est ça le problème. C'est que c'est Émilie qui regarde pour moi, là, chez elle. Alors, on va dire à Émilie de noter, parce que tu as besoin de choses pour nettoyer le cœur. Oui. D'accord? D'accord. Voilà, on va plaisir en disant que quelqu'un allait venir nous voir. Oui, c'est le truc à base de baies rouges, comme des baies rouges, ça ressemble, c'est rouge, comme le cœur, c'est rouge comme le cœur, c'est des baies, et il y a quelque chose qui est bon pour le cœur, que tu as besoin pour ça, c'est un détoxicant. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc si tu peux prendre de l'ortie, ça je sais que c'est déjà bon pour, c'est déjà bon pour toi. Ah oui, d'accord. Des soupes d'ortie. Fais-toi de la soupe d'ortie. Oula. Voilà. Ça, je sais que c'est... C'est ma santé qui m'inquiète tout le monde. Oui. C'est ça qui est bizarre. Même mes traitants... Mais moi, je sens ton cœur qui est tendu, quand même. Je sens comme une tension au niveau de ton cœur. Voilà, il marche, hein, il n'y a pas de problème de ce côté-là, ton cœur marche, mais quand même, il y a une espèce de tension dedans, c'est tendu. Mais c'est peut-être tous les soucis que j'ai eus ces derniers temps. Je pense. Ouais. Parce que ça m'a fait, ma moitié est partie, ça fait très mal. Oui, mais je sens, c'est tendu dans ton cœur. Donc voilà, il faut nettoyer tout ça, et voilà, je ne sais pas si le chou, c'est pas bon aussi. Le chou, ça nettoie bien aussi. Oui, je sais pas. Voilà, moi je te donne tous les trucs que c'est de la nourriture normale, mais voilà, c'est des trucs pour... voilà. Oui, d'accord. Voilà, maintenant si quelqu'un a autre chose dans le chat, ben, c'est le bienvenu. D'accord. Hein? Voilà, parce que il faut que tu te nourrisses bien, quoi, quand même. Oui. Voilà. Le dentiste aussi, il faudra aller voir. Hein. Encore.
Ah oui, encore, oui, je sens une dent du haut, là, qu'il faut... Il y a quelque chose à faire dans une dent du haut. Mais j'ai pas de dent, oui. Ben, alors c'est ton appareil qui te fait mal à l'emplacement d'une dent du haut. Oui, voilà, c'est ça. Du côté droit. Voilà, et je le sens. Et en plus, les gens verront sur la vidéo parce que je mets le doigt dessus, en plus. C'est trop marrant. Voilà, donc il faut aller voir le dentiste et pour adapter comme il faut ton appareil. D'accord. Hein, parce que sur le côté, on a l'impression que ça appuie et c'est comme si ça coupait au niveau de la racine. C'est marrant parce que c'est exactement le canal qui est supportable. Voilà, donc il faut aller voir quelqu'un, enfin le dentiste pour ça. C'est le dentiste qui va te réparer ton appareil et qui va te l'adapter. Alors, donc il faut que je fasse un check-up complet. Voilà. Voilà. Alors, il y a Océane qui a mis un lien. Alors, j'invite ta fille, c'est Émilie, hein, c'est ça, hein. J'invite Émilie à cliquer sur le lien, là, et à prendre note de... Voilà. C'est ça qu'on appelle l'entraide. Voilà. Merci, d'accord. Océane. Merci. Voilà. Plus mince, d'accord, et plus jeune. Plus mince et plus jeune. 12 aliments pour nettoyer vos artères. Ah, ben voilà. Voilà ce que tu as besoin. Ouais. Merci, merci Océane, c'est gentil. Voilà, ben je pense qu'on a fait à peu près le tour, à moins que tu aies une dernière petite question à poser. Oui, ma maison, on dit qu'elle porte malheur, est-ce que tu y crois? Alors si toi tu penses que ta maison va te porter malheur, elle va te porter malheur. C'est pas ça, c'est que dans cette maison-là, il n'y a que du malheur. Oui, mais je sais, mais je t'ai dit que ce serait bien de déménager. Oui. Voilà, donc... C'est qu'il y a une raison. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose. Maintenant, je ne dis pas que c'est la maison. Je n'ai pas été dedans, je ne sais pas. Ben, ceux qui y avaient avant avaient des soucis. Moi, je le dis parce que c'était mes grands-parents. D'accord. Et depuis que... Avant, j'habitais ailleurs. Je n'avais pas de soucis. Et dès que je suis rentré là, on n'avait que des soucis. D'accord. Donc tout le monde me dit, la maison porte malheur. Même les oui, mais tu sais quoi, à force de dire des choses comme ça, ben en fait, la maison va vraiment porter malheur. Parce que, en fait, on crée des égrégores à force de penser des choses négatives comme ça. Et en fait, on engendre des choses négatives à force de penser négatif. Moi, je me pense. Voilà. Oui, maintenant ça, apparemment, c'est pas d'aujourd'hui que ça date. Voilà. Donc, comme je te l'ai dit en début d'entretien, il serait bon que tu changes d'habitation. C'est ce qu'on me disait, hein, parce que c'est une maison qui te fatigue. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors là, il y a Cathy qui a mis un autre lien. Merci Cathy. Alors c'est régimemaigrir.com. Régime au pluriel, maigrir.com. D'accord ? Ok. Et Océane qui remet un autre lien, vitality.fr, quel jus de légumes et de fruits pour améliorer votre circulation sanguine? Voilà, la camberge du Canada avec mes fleurs. Voilà. Oula. Voilà, et Aimé qui te met comme ça, il faut rester positive dans la maison et tu avanceras. D'accord. Voilà, et comme ça tu vas déménager et tu avanceras encore plus. Mais il ne faut pas attribuer à la maison des choses négatives parce qu'elle va le rendre en négatif. En vérité, je n'attribue pas. C'est les gens qui viennent chez moi. Oui, oui, je suis d'accord, mais c'est parce que... Ils ne voulaient pas rentrer. Je suis d'accord parce qu'il... La maison, il est rentré après. Il voit comment tu es et puis on ressent. Hein, on ressent peut-être dans la maison quand tu... Moi, je ne sais pas. Là, pour l'instant, je ne ressens rien. Voilà, peut-être que ça rend les gens malades. Mais je ne sais pas. Mais bon, de toute façon, fais en sorte de déménager si tu peux. Voilà. D'accord. C'est même pour mon bien-être mental. D'ailleurs, c'est pas le canberry, c'est du cranberry. Cranberry, du cranberry. Voilà, il y a eu une faute dans le mot. C'est cranberry. Voilà. Alors, voilà. Autrement, j'ai une toute dernière question. Oui, allons-y. Si tu peux voir mes unités. J'ai mon fils Jérémy qui est très très mal, mais dans un sens... Psychologique ? Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il boit.
Il boit ? Il boit finalement. Oui, ben, quand on boit, c'est qu'on a un problème psychologique. Il y a un manque qu'on essaye de combattre avec un pseudo-médicament qu'on appelle l'alcool, quoi. Parce que c'est... justement. Et l'alcool, c'est un ami... C'est quelque chose. Oui, c'est un ami qui vous veut du mal, comme on dit. Hein. Oui, voilà. Voilà, mais il va falloir qu'il s'en sorte. Hein. Il n'a pas le choix, parce que là, même mentalement... Il va être aidé aussi, hein. Il va être aidé. Et il a des idées suicidaires aussi, non ? Oui, exactement, c'est pour ça. Parce que je le sens comme ça et... Il s'est fait quelque chose au niveau de son bras, là ? Je sens son bras comme si ça faisait mal. Ben non. Je sais qu'il avait des idées suicidaires, qu'il est toujours dans le noir, mentalement. C'est tout ce que je sais, le restant, non ? Oui. D'accord. Il a été voir ton mari aussi quand ton mari n'était pas bien à l'hôpital. Oui. Parce que voilà, en fait l'histoire du bras c'est ton mari qui lui a grippé le bras. Ah bon. Ben, je te le dis parce que c'est comme ça que c'est. D'accord. Je vois le. Il a attrapé le bras, quoi. Ben, je vois ton mari qui lui attrape le bras et c'est pour ça que je sens la pression sur son bras. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y aura sûrement un retour des choses et que là, pour le coup, ça va être l'inverse qui va se produire. C'est que peut-être ton mari va donner un coup de main. Ah, voilà. Voilà. Attention, ça ne veut pas dire qu'il va faire tout le travail. Hein. Ah non, non, non. Ok ? Oui. Parce que si mon mari l'a connu comme ça, avec ses crises, il ne supporte pas. Voilà, bah oui, mais bon... Voilà, au moment de partir, ben, c'était... Voilà, j'ai compris. Ouais. Voilà, voilà. Mais il va lui donner un coup de main. Tant mieux. Voilà, et j'ai l'impression que ton fiston, il a des visions aussi. Hein. Ah bon ? Ouais, c'est l'impression que j'ai. Il aurait des visions comment ça ? Ben, il a des visions, des comme des flashs ou des choses comme ça. Ou des rêves. Peut-être pas. Il t'en a jamais parlé ? Non. Ah, il y a une idée des fois qui me dit des choses et ça reste. C'est un truc bête. Une idée des fois qui me dit des choses, ça se réalise. Et je la crois pas. Je te dis que dans ta famille, et notamment chez ton fils, bon, maintenant tu me parles de Émilie aussi. Oui, mais j'ai un ami qui n'en est rien. Voilà, et bien peut-être qu'il garde pour lui. D'accord. Voilà, ce serait bien d'en parler. Mais ce qu'il voit, Jérémy, c'est toujours le... Enfin, comment je pourrais... Le négatif. Quand on discute... Oui. Jérémy, bon, il se met à boire, il dit qu'il n'a pas supporté la mort de son père et tout. Il en a fait boire à son père, malgré tout. Oui. Et à moi aussi, à tout le monde. Oui. Et il avait des tendances suicidaires. Mais oui. Quand on parle de quoi que ce soit, il nous dit, je ne peux pas aller à la tombe, il y a quelque chose qui m'empêche. Ou alors, mais au niveau des flashs, de quoi que ce soit... Il n'a jamais rien dit. La seule chose qu'il dit, c'est qu'après, c'est son tour. Voilà le truc. J'ai pas compris. La toute dernière phrase que tu as dite, j'ai pas compris. La toute dernière phrase, c'est que Jérémy dit que la prochaine fois, lui, c'est son tour. Il se voit malade. Il dit, je vais pas aller loin. Voilà. Bah oui. Il dit ça, lui. Bah oui, mais il fait rien pour que ça aille bien non plus. Hein. Non, voilà. Voilà. En tout cas, ton mari va lui donner un coup de main. D'accord. Voilà. D'accord. D'accord. Voilà. Mais il y a le don chez toi aussi. Il y a le don. Le don chez toi aussi. Et là, des fois, j'ai des trucs, j'ai l'impression d'avoir vu, mais à part ça. Voilà. Ça va aller. Mais bon, ça ouais, va je aller. Pense. Voilà. Voilà, voilà. On va se quitter. Ben, je te remercie beaucoup. Ben, c'est moi. Tu vois, on a réussi à parler d'autre chose. Ah, ça fait du bien. Ah oui. Non mais ça fait du bien un peu parce que tu vois je remonte la pente mentalement. Mais c'est tant mieux, tant mieux. Si je peux t'apporter ça, bah c'est gagné déjà. Le truc qu'on travaille le plus, c'est que c'est vrai que j'ai besoin encore de. C'est vrai que dans un de mes rêves, comme tu dis, j'ai cru voir mon fils revenir, me secouer la paillasse, me dire on m'a tué.
Est-ce que tu as été voir Dominique? Non. Ce serait peut-être bien que tu t'inscrives à son émission. Dominique. Oui, c'est l'émission du lundi soir. Lundi soir. Parce que moi je suis pas thérapeute. Lui il est thérapeute. Moi je suis pas. D'accord. Non mais médium, ce que tu as dit tout à l'heure quand on est venu voir, c'était ça. Ah oui, bah oui, je sais que je me trompe pas. Hein. Et on va venir me voir, donc peut-être que j'aurais. Pardon, j'aurais peut-être la suite. Oui. Oui. Mais voilà, le tabac, hein. Bon, on n'en a pas parlé ce soir parce que je voulais pas trop je voulais pas remettre une deuxième couche. Mais voilà. D'accord. Ah, je suis rassuré. J'ai vu le médecin, il me fait un bilan complet en prise de sang. D'accord, super. Je suis rassuré, je vais le dire tout de suite. Ensuite, il m'envoie dans un mois, il m'a mis des médicaments pour que je me déstresse, tu vois. Super. Et que j'arrive à dormir. Super. Mais léger, quelque chose de léger. Alors ça, c'est fait. Ensuite, pour le tabac, il m'a dit on le fait pas tout de suite, on se revoit dans un mois. Super. J'ai trouvé que j'étais pas en capacité d'arriver. Non, parce que pour l'instant, tu es un petit peu en état de fatigue. Et peut-être que si on t'enlevait le tabac, ça serait pas bon. Pour l'instant. Ben, je pense. Voilà, il faut aller. Voilà, il faut aller progressivement, étape par étape. Voilà, c'est ce que je veux faire. Voilà, mais il faut pas lâcher l'objectif des yeux. Hein. Donc, c'est-à-dire que tu arrêtes de fumer et, à plus ou moins long terme, quand même. Hein. Ben, faut que ça soit fait pour le début de l'année 2017. Ben, ce sera bien si ça fait partie des résolutions qu'on garde et qu'on met en œuvre. Ben, c'est tant mieux. Ah oui, parce que moi, il faut que je reste pour mes enfants. Oui. Oui. Bah oui. Dans la vie, il faut toujours se battre. C'est clair. C'est clair. Cool. Ouais. Bah oui. Mais il n'y a que ceux qui tombent qui se relèvent. Voilà. Hein? Si tu n'es jamais tombé, oui. Tu ne peux pas te relever. Et si tu ne tombes pas, voilà. Tu n'apprends pas. Voilà. Voilà, tu as besoin. Je te remercie beaucoup, Jeff. Il faut apprendre. C'est vraiment gentil. Voilà, donc je vais te faire des gros bisous. Oui, moi aussi. Hein, il est 21h. Voilà. Je te dirai la prochaine fois, hein, quand j'aurai la frite, que j'arrêterai de fumer. Mais imagine que tu mets toi l'argent de tes clopes, là, l'argent de tes clopes tous les semaines. Tu mets je me ferai un beau voyage. Purée, putain, mais tu vas au Maroc, là, pour le coup. Ah ben non, je préférerais la Bretagne. Bon, ben viens en Bretagne. J'ai pas besoin d'aller aussi loin. En France, on a de très... Ah, on a des beaux coins en France. Et puis si tu viens en Bretagne, je te paye le chouchen. Ah ben oui, je viens avec toi, alors. Il n'y a pas de soucis. Ah là, c'est génial. Et une crêpe, hein. Le chouchen, on a du bon cidre aussi. On a du bon lambic. Mon père était breton. Voilà, et puis on a du bon kick à farce. Alors, moi, ce que je préfère, c'est le Queen Amand. Ah, le Queen Amand. Le Queen Amand, il est né à Douarnenez. C'est un super gâteau à base de pain. C'est à base de pâte à pain. Non, et... le Queen Amand, c'est que du beurre, du sucre. Non, il y a aussi... Il faut pour être bien dans sa peau, tu vois. Mais oui, mais le Queen Amand a été inventé à Douarnenez. J'ai travaillé dans la boulangerie, la pâtisserie, où ils ont un... Est-ce que je suis pâtissier? Mon frère. Je suis pâtissier à la base. Et je travaillais, non pas dans la pâtisserie, où ils ont fait ça, mais je travaillais en face. Moi, j'étais en charcuterie à l'époque. Même si j'étais pâtissier à la base. Et... comment dire ça? Le Queen Amand est fait avec la pâte à pain. Et en fait, il y a 7 tours. On fait 7 tours dans le sucre et dans le beurre. On fait d'abord 3 tours dans le beurre, 4 tours dans le beurre, pardon, et après, on fait 3 tours dans le sucre. Et qu'est-ce que c'est bon? Et qu'est-ce que c'est délicieux quand tu le mets, tu le fais tiédir, là, et tu le manges avec le café. Ah, qu'est-ce que c'est bon? Oh, c'est un vrai régal. C'est bon. Eh bien, tu vois. Mais c'est pas bon pour le cœur, hein. Je ne dirai pas. Mais c'est pas bon pour le cœur. Je ne dirai pas, je prends ma voiture, je prends ma fille et je te jure que là, je ne dirai pas. Je vais faire un tour à Brest. Voilà. Bon, ben, en attendant, je vais mettre le générique. Oui, quand même. Allez. Je te fais des gros soirée, bisous. Merci. Bisous, bisous, Nathalie. Bisous, au revoir. Voilà, et pour les auditeurs, ben, je vais saluer Nizou, Carmo,
43, Fleur, 76, 33, Alain, 63, Nanou, Cathy, Jean-Pi, Kangou, 24, Océane, Marie, 65, Aimé, 71, Valou, Josie, Christian, Thierry, et le 84. Voilà, on se retrouve d'ici une petite demi-heure, parce que on a rendez-vous à 21h30 avec nos amis Laurence et Sébastien pour la TCI, la transcommunication instrumentale, et voilà, donc ils vont nous rejoindre à 21h30. Je devais dire quelque chose, mais j'ai complètement zappé, donc c'est pas grave. Voilà. Alors, générique et une petite demi-heure de musique, et puis on se retrouve de suite après avec nos amis. À tout à l'heure.